Mobilité sociale, développement personnel, relations internationales, tout y est à ce show avec Fernando. Fernando Live. Jeunes de partout, restez connectés avec Fernando Live. Ok. Et puis, Anissa, vous avez 4 axes. Le premier axe, c'est l'attrapage en ligne pour élève 9e avec NS Catio. Et puis, vous avez gagné orientation professionnelle. Nous disons professionnelle parce que pas d'université seulement, il y a technique tout. Et puis, nous avons gagné pré-fac en tant que tel, qui dure 18 jours. Et puis, nous avons gagné bourse d'excellence. Bourse d'excellence à Nessa, nous voyons une félicitation spéciale pour le recteur Jacques Limac, le recteur université Kiskeya, qui mettait fois ça 6 bourses à disposition et excellente dans cette soleil. L'année passée, aux étoiles premières, les années 2006, ça fait nous exactement 15 boursiers qui prennent l'air de qui apprennent dans une action, soit sciences humaines et sociales, soit sciences appliquées et sciences naturelles. Et plus si mon nom, il y a des gens qui sont en médecine, il y a des gens qui sont en génie, il y a des gens qui sont en diplomatie. Alors, c'est moi qui coordonne le programme Excellence Académique. Et Jean-Pasteur qui parlait d'aller avec la production. Le programme Excellence Académique qui a plusieurs projets là-dedans pour aider les gens qui l'école, pour aider et permettre de rester l'école avant tout, depuis la 9e, et faire la rabâche ensemble avec eux, les orientations, les rivières dans le philo, pour être capable de rentrer dans l'université, pour qu'on fasse génie ensemble avec eux. Et année ça, nous sommes 5e édition. Dans pré-fac pour nous permettre de nous rentrer dans l'université, que ce soit l'État ou bien privé. Et année ça, moi je suis content, même si je n'ai pas vraiment de temps pour pré-fac là, mais l'équipe qui était préparée, puisque c'est presque tout le monde qui était dans pré-fac là, qui réalisait tout ça qui fait année ça. Et pour après, dans le monde qui se parle, et c'est seulement Dr. Judo qui part dans pré-fac là. Des postulants qui ont été avant, ils sont étudiants, ils sont bénéficiaires du programme. Et bien, je dis, c'est eux qui sont responsables du programme. Ce sont des bel programme lié. Et maintenant, tout le monde qui était dans la préparation pour être bon dans l'université, pour nous rentrer dans le projet qui est le buffet de l'excellence, pour nous sortir ensemble, faire un programme ensemble, et pour nous capables de manger ensemble, boire ensemble, et pour nous rester soudés, pour nous avancer et dans ce qu'on a fait. Dans le programme, dans pour nous continuer à aider l'autre sac à vidéo. Et de même pas là, Jean Annie Ambat vraiment guettant, c'est l'autre monde qui, comme programme, qui passe dans le programme, qui a prêté avec le programme. Merci tout le monde, nous pas M. Isaac Léo. Et salut tout le monde qui a regardé tout ça. Non pas moi, c'est Ralphine Sonjino. Et moi, c'est médecin de formation. Moi, étudié faculté de médecine et de pharmacie dans l'Université de l'État. Et actuellement, moi, je suis résident en service social. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour participer à ça. Et donc, l'initiative, c'était qui ça? C'était faire une activité pour permettre que les jeunes soient. Parce que actuellement, et nous pensons qu'il y a des difficultés dans le domaine de l'éducation. En plus, les jeunes qui sont désorientés, ils allaient dans plusieurs autres choses qui ne portent pas profit réellement avec la société qui a évolué. Maintenant, nous-mêmes, nous c'est encourager les jeunes pour rejoindre les choses pour être capables d'avancer. Et bien, c'est peut-être ça. Nous sommes venus avec Prefac Excellence, et qui est une alternative avec les jeunes. Permettre qu'ils entrent dans l'université privée, dans l'université d'État. Et nous avons tout profité de l'occasion pour nous dire merci avec le recteur Jacques Ilumab qui est par nous 6 bourses. Eh bien, ces bourses sont pour capable permettre que 6 jeunes eux-mêmes gèrent l'avenir pour les messieurs soient capables de devenir quelque chose. Et donc, nous orientons les timonio, nous travaillons ensemble avec eux. Et nous faisons 3 semaines de travail, et le travail était en pile. Eh bien, je dis, ces derniers jours, nous sommes capables de dire que nous réussissons ensemble avec le FAC. Nous remercions le staff et le coordonnateur,
qui a coordonné et MPE, qui est le ministère Pasteur Enoch, et qui travaille avec nous-mêmes au niveau de préfat excellence académique. Et nous avons gagné un responsable général, nous avons gagné un responsable trois axes qui a gagné dans le préfat là. Moi-même, c'est principalement responsable académique et axe et sciences naturelles et chimie. Et gagné deux autres responsables axes. Axe sciences humaines et sociales et axe sciences appliquées. Et donc, je dis, nous sommes capables de travailler, nous réussir parce que c'est satisfaction totale, c'est la joie, c'est contentement. Eh bien, nous contents, nous disons merci et nous pensons que le rendez-vous, c'est pour l'année prochaine, si Dieu veut, pour l'autre édition qui est plus intéressante et qui a bien plus de bagages là-dedans. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez trouvé. Moi-même, c'est Marcellus, donc moi c'est un bénéficiaire du programme ça, c'est le programme excellence académique, coiffé par le ministère Pasteur Enoch. Donc moi-même, moi, je suis capable de dire que moi j'étais dans la première promotion du programme ça. Donc moi-même, moi là, moi c'est un responsable d'accès naturel, donc nous travaillons avec nous, ça que nous faisons, nous essayons de travailler de façon que pour l'activité est capable de continuer. Ça a fini après mieux, après même genre tout, et puis, quand elle a fait. Comment bien s'en est, puisque c'est boursier et programme non, ou tu es dans la première édition, ou tu es dans la cinquième édition, comment comprendre le programme non, qui c'est ça? Bon, nous, c'est un très bel programme, donc, puisque le fait que mon timonier n'est pas comme ça, donc c'est un concours au passé, donc, qui genre, qui saute dans le petit programme non, programme excellent. Donc c'est pour excellent, pour capable bénéficier de un bagage tel. Donc pour passer concours, tout dépend de place dans le concours, ou finir par bénéficier. Donc pour ne pas arrêter sur béton, que ce soit bon dans l'État, que ce soit pas bon dans l'État, ou bénéficier de un bourse quel. Donc c'est une très très belle initiative que ça fait. Pour même fin passer, moins pour capable aider le petit monde, préparer le concours, passer concours. Ça qui passe, nous aider, nous travailler avec eux, on passe pour capable de soit bon dans l'université. Entraînons à l'université, merci. Je suis en faculté de technologie et de santé. Je suis responsable d'accès aux humains dans le pack excellence. C'est un plaisir de partager avec le moment. Je pense que si vous avez préparé, c'est responsable pour le pack excellence en d'un programme. Et PIA qui c'est le programme d'excellence académique. En tant que coordinateur pour le préfet d'excellence, là, nous d'abord une pilote d'activité à Fokio. D'abord, c'est nous qui dépensons le préfet à Anissa, qui c'est la 7e édition du préfet d'excellence, qui a fait une belle matinée droit. Et nous sommes responsables pour assurer la coordination de chaque responsable action. Et le travail au fait, c'est moi qui nous sommes responsables pour les vidéos et puis tout, pour un rapport pour faire la fête. Normalement, le travail n'est pas trop difficile de passer ça, mais il demande un pile d'expertise, un pile de compréhension des activités, parce qu'il faut qu'on aide de chaque action, non seulement action humaine et sociale, action appliquée, mais même tout action naturelle et chimie. Et pour faire l'excellence d'abord, nous avons une carte constatée là, c'est un récit total lié à ça, vraiment, tu me dis vraiment sur ça, et la cité a été bien pilotée, j'ai une carte constatée là, la clôture est vraiment évidemment. Les grands envergures, j'en ai dit là, tout le monde est d'accord pour passer ensemble avec nous. Si on fait ça, pour faire excellence, nous allons rendez-vous pour l'année prochaine. Merci. Ok. Et Anissa, il y a 4 axes. Le premier axe, c'est le rattrapage en ligne pour élèves 9e avec NS4. Et puis, il y a l'orientation professionnelle. Nous disons professionnelle parce que pas d'université seulement, il y a technique tout. Et puis, nous avons gagné le préfac là en tant que tel, qui dure 18 jours, et puis nous avons gagné bourse d'excellence. Bourse d'excellence à Nessa, nous voyons une félicitation spéciale pour le recteur Jacques Limac, le docteur Université Kiskeya, qui mettait fois ça 6 bourses à disposition et excellent dans cette soleil. L'année passée, aux étoiles premières, les années 2006, ça fait nous exactement 15 boursiers qui prennent l'air de qui apprennent dans une action, soit sciences humaines et sociales, soit et sciences appliquées et sciences naturelles. Et plus si mon yo, il y a qui sont en médecine, il y a qui sont en génie, il y a qui sont en diplomatie. Alors, c'est moi qui coordonne le programme d'excellence académique. Et j'en passe par l'État avec le professeur.
programme d'excellence académique qui gagne plusieurs projets là-dedans pour aider les petits monde et l'école, pour aider et permettre de rester l'école avant tout, depuis la 9e, et faire rattrapage ensemble avec eux, les orientations, les rivières dans le flot, pour être capable de rentrer dans l'université, donc on fait génie ensemble avec eux. Et année ça, nous sommes 5e édition. Dans la préfac pour nous permettre de rentrer dans l'université, que ce soit l'État ou bien privé. Et année ça, moi je suis content, même si je n'ai pas vraiment de temps pour la préfac là, mais l'équipe qui était préparée, puisque c'est presque tout le monde qui était dans la préfac là, qui réalisait tout ça qui fait année ça. Et pour après, dans le monde qui se parle, et c'est seulement Dr. Juno qui part dans la préfac là. Des postulants qui étaient avant, ils sont étudiants, ils sont bénéficiaires du programme. Et bien, je dis, c'est eux qui sont responsables du programme. Ce sont des programmes liés. Et maintenant, tout le monde qui était dans la préfacture pour être dans l'université, pour rentrer dans le projet qui est le buffet de l'excellence, côté de nous sortir ensemble, faire un programme ensemble, et pour nous capables de manger ensemble, boire ensemble, et pour nous rester soudés, pour nous avancer et dans ce qu'on a fait. Dans le programme, pour continuer à aider l'autre sac à vidéo. Et de même pas là, Jean Aniam bat vraiment guettant, c'est l'autre monde qui, comme programme, qui passe dans le programme, qui a prêté avec le programme. Merci tout le monde, nous sommes ici avec Léo. Bonne parole. Et nous saluons tout le monde qui a regardé le rubrique ça. Non pas moi, c'est Ralph Enson Juno. Et moi, c'est médecin de formation. Moi, j'étudie la faculté de médecine et de pharmacie dans l'Université de l'État. Et actuellement, moi, je suis résident en service social. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour participer à ça. Et donc, l'initiative, c'était qui ça? C'était faire une activité pour permettre que les jeunes soient orientés. Parce que actuellement, et nous pensons qu'il y a un peu de difficultés dans le domaine de l'éducation. Un peu de jeunes qu'on a.